Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Dialogue avec le gouvernement. Dialogue ce soir, c'est avec le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Monsieur Haruna Kaboré. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Une émission que j'ai le plaisir d'animer ce soir en compagnie de mon confrère Cyril Zoma, journaliste correspondant de l'Observateur Palga à Kourougou. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, Emmanuel. Et comme vous le voyez, mesdames et messieurs, la formule de l'émission a quelque peu évolué. Déjà, elle est enregistrée hors studio dans la cité du Cavalier Rouge en marge de la caravane PNDS. Et nous avons avec nous un public qui pourra également intervenir pour poser des questions au ministre. Ce qu'il faut dire, monsieur le ministre, c'est que votre département est au cœur de grands enjeux de développement, des questions liées à l'importation, à l'exportation au Burkina Faso, des questions liées au secteur informel, à la lutte contre la fraude, la contrefaçon et la concurrence déloyale, à la promotion de l'industrie, à la transformation et à la consommation des produits locaux, à la promotion des produits de l'artisanat, autant de secteurs dans lesquels le plan national de développement économique et social a pris de grands engagements, porter la part de l'industrie manufacturée dans le PIB de 6,6 à 12%, la part des produits transformés dans les exportations de 10 à 20%, porter le taux de transformation des produits agricoles de 12 à 25%. L'occasion nous est donnée ce soir de faire le point. Cyril, nous allons commencer par le secteur informel. Okay, bonsoir, monsieur le ministre. Voilà, comme l'a dit mon confrère, alors, le secteur informel est un secteur qui emploie la majorité des actifs, notamment en milieu urbain. Et l'un des objectifs du quinquennat, du présent quinquennat, donc, c'est ramener l'incidence de ce secteur dans le tertiaire de 20,7% à 15%. La question qu'on se pose tout de suite, c'est de savoir quelles ont été les actions spécifiques que vous avez développées pour rendre le secteur informel beaucoup plus productif. Merci. Au moment où notre pays célèbre sa soixantaine d'années d'accession à la souveraineté internationale et nationale, c'est-à-dire à l'indépendance, et beaucoup de préoccupations et de questions restent posées. Et c'est en cela que le plan national de développement économique et social, qui a été bâti sur le programme présidentiel et sur l'étude nationale prospective 2025, bien entendu, avec le troisième pilier qui est l'agenda 2063 de l'Union africaine, a considéré au niveau de l'axe 3 que la transformation structurelle de l'économie devrait se baser sur les secteurs porteurs. Et qui dit secteur porteur dit forcément appel au secteur privé. Alors que les chiffres montrent clairement que notre secteur privé, il n'est encore pas à la hauteur des enjeux. Et c'est un secteur privé qui a forte dominance donc, d'acteurs du secteur informel, notamment dans le volet commerce. Donc si on veut transformer structurellement l'économie, il est clair qu'il faut travailler à ce que ce secteur privé, qui doit être normalement le moteur de l'économie, puisse, j'allais dire, remplir les conditions nécessaires pour jouer son rôle. Et l'une des premières choses, c'est de dire que si les gens sont dans l'informel, ça veut dire aussi qu'en termes d'entreprise, ce ne sont pas des structures assez, j'allais dire, formelles. Donc le premier de travail, d'abord, c'est la sortie du secteur informel. C'est pour cela qu'on a fait des réformes pour faciliter la création d'entreprises. Aujourd'hui, nous avons réduit le délai de création d'entreprises. Nous avons fait en sorte que les centres de formalité des entreprises ne se situent plus uniquement à Ouagadougou et à Bourg-de-Lasso. Nous avons les CFO dans l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso, ce qui donc ramène les services administratifs auprès des créateurs qui posaient problème en se disant qu'ils étaient dans le secteur informel parce qu'il fallait venir jusqu'à Ouagadougou et à Bourg-de-Lasso pour créer une entreprise. Première réalité. Deuxième réalité, il y a la question de la fiscalité qu'on trouve souvent très lourde. Au départ, lorsqu'on crée une entreprise, on a besoin donc qu'il y ait un minimum d'allègement. L'État a fait en sorte qu'à travers les centres de gestion agréés, les PMU qui acceptent donc confier leur comptabilité au CGA, que ces entreprises puissent bénéficier de ce nombre d'accompagnement. L'autre chose supplémentaire, c'est le fait qu'on a facilité la création de l'entreprise même. Avant, c'était uniquement chez le notaire. Aujourd'hui, on peut le faire sous 5 privés. Et on a réduit le capital social où vous pouvez complètement aller. On n'est plus obligé de se regrouper. On peut faire une SARL unipersonnelle. Autant donc de mesures accompagner donc des mécanismes de formation à l'endroit donc des acteurs du secteur formel, mais en leur montrant aussi que lorsque vous voulez bénéficier d'autres types d'avantages, notamment le coût des investissements, il faut que vous soyez une entreprise assez organisée. Ce travail fait, on peut dire aujourd'hui qu'une bonne partie donc des acteurs du secteur informel sont dans une situation où
elles sont formelles. C'est uniquement sur la base des chiffres de création d'entreprise que je m'exprime ainsi. Vous pouvez nous donner des précisions justement sur ces chiffres-là qui vont venir corroborer tout ce que vous avez dit. Tout à fait. Nous avons, quand vous regardez, chaque année pratiquement, nous faisons autour donc, de 12 000 en termes donc, de création donc, de nouvelles entreprises. Ce sont les chiffres de la maison d'entreprise vérifiables en ligne. Et donc, ça montre clairement que c'est des entreprises qui sont sorties donc, du secteur informel vers le secteur formel. C'est le premier indicateur. L'autre chose, c'est de regarder aujourd'hui ceux qui étaient plus ou moins donc, dans l'import-export, qui estimaient qu'on n'a pas besoin donc, d'aller, je vais dire, à l'avant pour pouvoir bénéficier. On s'est rendu compte quand on a fait la charte des PME, où on octroie 15% des marchés publics aux PME, les gens se sont rendus compte que pour compétir à certains niveaux, il faut être formel. Les gens se sont organisés davantage et ça a encouragé les gens à venir parce qu'aujourd'hui, la commande publique est utilisée comme levier de développement, levier donc de promotion des PME. Autant donc d'éléments qui montrent que cela produit des résultats. Je peux vous dire que pour la question des PME, nous sommes au lieu de 15% des marchés pour le secteur, pour les PME, les résultats aujourd'hui nous donnent à peu près 38% donc d'accès de marché aux PME et ainsi de suite. Donc on a autant d'éléments qui montrent que les gens ont compris l'importance. Est-ce que le problème aujourd'hui également, ce que les gens dénoncent, c'est qu'il y a une forte concentration, par exemple à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Comment on s'assure qu'une petite entreprise qui se situe à Kourougou ou je ne sais pas dans quelle autre ville puisse également avoir accès à ces marchés-là? Une entreprise se crée normalement sur la base donc, d'une étude de marché. On s'implante en fonction donc d'une clientèle, en fonction donc du client potentiellement chaud ou froid qu'on décide donc de travailler. Donc une boîte privée, elle se crée pour rentabiliser. Donc quand quelqu'un décide de créer, il regarde l'environnement dans lequel il crée. Est-ce que ce type de boîte, si je le crée dans un endroit où on n'a pas besoin de servir, est-ce que ça va être rentable? Donc c'est le premier critère pour créer une entreprise. Donc ce n'est pas la localité. Et ceux qui se créent à Ouagadougou, ce n'est pas forcément des gens au départ qui sont à Ouagadougou. Je peux être ressortissant d'une autre ville, j'ai étudié à Ouagadougou. L'environnement, en fonction de mes études, m'offre des opportunités de créer là et puis je crée là. C'est ça qui est très important. La deuxième chose, les boîtes, si elles sont des boîtes de services, elles se créent pour accompagner, je vais dire, pour offrir des services à une clientèle, soit des services aux entreprises, soit des entreprises, des services à des personnes privées. Donc je pense que ça va être le développement, la décentralisation, le développement des infrastructures dans les différentes villes. Au fur et à mesure qu'on s'urbanise, qu'il y a d'autres types de services, c'est en ce moment qu'on va obtenir donc les boîtes privées. Mais du reste, avec aujourd'hui le fait que les SCOP, les coopératives, doivent avoir un certain format dans le cadre donc, de la réforme de WADA, on commence à voir aujourd'hui des SCOP qui se structurent dans les communes, au niveau rural, qui deviennent de plus en plus donc, des structures formelles. On a des groupements d'intérêts économiques qui se créent, mais au départ, la forte concentration est liée au fait que c'est là où se trouvent les opportunités, se trouve la clientèle, c'est comme ça que les gens s'installent. Oui, mais monsieur le ministre, une chose est de permettre la création en fait de ces entreprises, mais une autre, l'enjeu majeur, c'est de les rendre compétitifs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire des actions concrètes comme ça que vous avez posées au niveau de votre département pour que ces entreprises-là soient réellement compétitives sur le marché quand on sait que la concurrence actuellement, en tout cas, est rude? D'accord. La compétitivité des entreprises est liée à plusieurs facteurs. D'abord, c'est un service qu'on propose ou c'est un produit qu'on propose. On est compétitif, en fait, sur la base donc, de ce qu'on propose, du service ou du produit. Comment on fait pour être compétitif? Je prends un exemple. Si la transformation structurelle de l'économie est basée, je disais, les secteurs porteurs, mais chez nous, on parle donc des filières porteuses. Comment on fait en sorte qu'une entreprise qui est dans la transformation de nos matières premières soit compétitive, que ce soit au plan national ou par rapport donc à ses vis-à-vis au niveau africain? C'est de vous rassurer que les services qu'ils proposent, le produit qu'ils sortent est de qualité. Et nous avons décidé, par exemple, de travailler sur la certification des produits de nos PME, à travers donc, les normes que nous avons sorties pour être sûr que ce qui est proposé est de qualité. Mais bien entendu, avec les formations que nous avons faites à la matière et le fait que nous avons choisi nous-mêmes de lancer l'initiative sans produits certifiés pour prendre en charge le coût de la certification donc, des différents produits à hauteur de 300 000 francs à la certification d'une centaine donc, de nos produits pour faire en sorte que les produits là, soient de qualité, soient dans des entreprises qui sont bien structurées, bien organisées, qui produit des services qui respectent donc les normes NBF, qui sont aussi des normes purement CEDEAO africaines, étant donné que la BNorm sort ses normes sur le système ISO. Donc ça, c'est un élément de compétitivité, la qualité. L'autre élément, c'est plutôt donc de l'accompagnement pour qu'il y ait de la visibilité sur leurs produits, qu'il y ait de l'accessibilité, qu'il y ait de la disponibilité. Et en ce moment aussi, on fait ce travail. Et je vais dire aussi qu'il faut faire en sorte que les coûts de leurs produits
soit donc, je vais dire, des coûts acceptables, c'est-à-dire que le rapport qualité-prix soit aussi donc acceptable. C'est en cela que, quand vous décidez de vous lancer dans la transformation, on fait en sorte que vous bénéficiez des avantages du coût des investissements pour qu'au départ, quand vous créez, qu'il y ait certaines formes d'allègement de la fiscalité, au niveau de la fiscalité de porte à la douane quand vous importez, et aussi durant 3 ou 4 ans dans l'exploitation de votre outil de production, que vous ne soyez pas tout de suite effectivement, donc, je vais dire, l'objet donc, d'une fiscalité lourde qui fait que vous êtes obligé donc, de vendre plus cher. Alors, monsieur le ministre, on va aborder une autre question. Cyril, l'industrie, c'est également une question très importante. Là également, il y a des engagements qui ont été pris, des objectifs assez ambitieux, je peux les rappeler. Porter la part de l'industrie manufacturée dans le PIB de 6 à 12%, la part des produits transformés dans les exportations de 10 à 20%, le taux de transformation des produits agricoles de 12 à 25%. Et on a vu également, bien sûr, le plan d'industrialisation accélérée qui a également été mis en route. Alors on va s'arrêter quand même sur quelques annonces phares. Une région, une usine par exemple, Cyril. Voilà, quel bilan vous pouvez faire par rapport à cette annonce-là? Actuellement, une région, une usine, on a 13 régions. Quel bilan vous pouvez faire? Deux choses. Alors, lorsque nous sommes avec le mis en place le PNDS, il faut dire qu'au niveau de l'industrie, notre pays ne disposait pas d'une stratégie nationale d'industrialisation. Donc, la première des choses qui a été faite, c'est de faire une étude et de mettre en place une stratégie. Parce qu'on ne pouvait pas commencer à mener des actions aussi de manière désordonnée. Au niveau donc, du département, vous avez avant ce qu'on appelle la POSICA. C'est la politique sectorielle donc, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Mais il n'y avait pas de stratégie nationale d'industrialisation pour qu'on puisse en tout cas réellement partir sur la base des filières porteuses pour en construire. Une stratégie nationale d'industrialisation a été adoptée et des réformes institutionnel pour pouvoir accompagner le secteur. Le code des investissements a été mis en place. Des choix donc, de secteur où nous avons fait des études de faisabilité a été faites. Et puis ensuite, on a réformé l'institution qui s'occupe donc, de la promotion des investissements, qui était la PBF à la présidence, qui est devenue donc, l'Agence Burkinabé d'investissement, pour faire la promotion à la fois des investissements locaux, mais des investissements directs étrangers. Donc voilà d'abord des réformes qui ont été faites pour qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble des actions. Ceci étant fait, nous avons dans un premier temps initié une initiative qui s'appelle IRCP Pharma, initiative du renforcement du capital productif des PMI-PME. Nous avons choisi 10 PMI-PME par région, donc à peu près 130, et nous avons lancé l'initiative. Ça avait été lancé d'ailleurs le 19 septembre 2018 à Ouara. Le 20 septembre, nous étions à Djibo pour offrir donc les premiers équipements. Donc c'était un financement, on accompagnait 10 PME par région pour pouvoir donc créer, je vais dire, une bonne base en tout cas donc des PMI-PME pour en faire certainement donc des shampoings. Parce que vous connaissez bien la formule chez nous, nous pensons que ce sont les ruisseaux qui convergent pour créer les fleuves. Donc ceci étant fait, nous sommes revenus maintenant vers les grosses entreprises qui s'intéressent donc à le gros type d'investissement. Et avec le code des investissements, nous avons accompagné déjà pour, avec le nouveau code des investissements autour donc d'une centaine d'agréments au code donc, des investissements. Et pas plus que le mois de juin, nous avons fait la tournée pour regarder réellement quelles sont les unités qui ont été mises en place. L'État lui-même a choisi de donner un modèle en faisant une unité de grainage de coton bio à Koutougou, mais le reste donc, des entreprises privées ont bénéficié des avantages du code des investissements. Je pourrais vous donner quelques exemples concrets. Dans le domaine donc, du coton textile, nous avons accompagné la FILSA avec le code des investissements. FILSA aujourd'hui a terminé sa deuxième unité de filature. Et FILSA produit un nouveau fil qui nous permet donc d'aller au-delà donc du fil qui permet donc de faire de façon d'avenir pour faire donc d'autres types de fils. À l'image de FILSA, il y a d'autres cas comme ça. Deuxième exemple, c'est l'usine Cotexa à Tangendasouri. Nous avons accompagné l'usine Cotexa à Tangendasouri qui est une unité donc de retordage de fil qui travaille de concert avec FILSA. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à produire du fil pour faire, donc pour faire du tricotage. Une unité donc, de tricotage est en cours donc, d'installation. J'ai été visiter la fois dernière. Et bientôt, nous aurons donc du tissu pour faire du tricot. J'ai bonne foi qu'avec ce tissu qui va sortir, il suffit d'installer des confectionneuses ou les couturiers. Nous allons désormais coudre donc, des t-shirts, des débardeurs, des chaussettes made in Burkina Faso. Avant la fin de l'année, je suis en train de vous le dire clairement. On peut aller dans d'autres domaines, le secteur de l'énergie. Nous avons accompagné Faso Énergie, qui aujourd'hui produit, fabrique des panneaux solaires au Burkina Faso. Ils ont bénéficié d'un accompagnement donc, du code des investissements. Nous avons accompagné UPharma, ProPharma,
qui est une unité de fabrication donc, de médicaments à Comme-Silga. Et d'ici la fin de l'année, ils vont mettre des médicaments made in Burkina sur le terrain. Nous mais avons là, accompagné. C'est dans la région du centre. Hein, mais je peux aller à Laurent Fourceau, à Bobo Dioulasso. Nous avons accompagné l'Africaine donc, des boissons. Qui fait un investissement donc, de 15 milliards aujourd'hui. D'ici la fin de l'année, nous aurons effectivement donc, une unité dans ce domaine. Je peux encore aller très loin. Mais est-ce que ce n'était pas un effet d'annonce, monsieur le ministre, une région, une usine? Alors, maintenant, lorsque nous avons travaillé dans la stratégie nationale d'industrialisation, on s'est dit qu'il y a deux niveaux. On a un problème d'infrastructure et on a un problème de positionnement des projets. Donc, le programme Une région, une usine, qui est un programme, ce n'est pas un projet, c'est un programme, avec à l'intérieur plusieurs projets. L'un des projets, c'est le projet infrastructurel. On s'est dit, on ne peut pas seulement avoir une concentration des unités industrielles à Ouara et à Bobo Dioulasso. Autant le code des investissements donne des avantages lorsque vous êtes installé à plus de 50 km de Ouagadougou, autant il faut qu'il y ait des infrastructures en matière donc, de zones industrielles. Donc, nous avons réuni l'ensemble donc, des maires, des gouverneurs, et nous avons travaillé sur la mobilisation donc, du foncier pour faire dans chaque région une zone industrielle. Donc, une région, une usine agroalimentaire, c'est d'abord des infrastructures industriel. Et à ce niveau, dans le budget 2020, quand vous regardez, nous avons eu les ressources à hauteur donc, de plus de 400 millions pour faire les délimitations, y compris le travail donc, pour la zone donc, industrielle donc, de Samandini d'une centaine donc, d'hectares. Donc ce travail est en cours, vous pouvez vérifier sur le PPM du ministère les études de délimitation, les études d'impact environnemental, les questions donc, du terrain, nous allons les boucler d'ici là pour pouvoir donc, donner de l'espace, des zones industrielles dans la région. Donc voici la première mise du programme. Le deuxième élément, c'est que nous avons travaillé sur des fiches de projets qui sont adaptées aux différentes régions. En ce moment, dans les pipelines, 23 projets, effectivement, donc, ont connu donc, des études de faisabilité suffisamment claires. Peut-être qu'avant la fin de l'année, on va les adopter avec certainement une formule où il y a de l'amorçage de l'État. C'est-à-dire qu'il y aura donc une formule tripartite où il y a de l'État, il y a de la banque et il y a donc du privé, où on fera donc de l'affermage. C'est-à-dire que l'État va faire l'amorçage. Et le privé, effectivement, qui bénéficie de l'accompagnement, est amené donc à opérationnaliser donc, l'unité industrielle. Parce que, comme vous le savez, l'État crée donc l'espace, l'environnement, le climat des affaires pour que le secteur privé puisse investir. On a souvent donné seulement quelques modèles, ça et là, pour montrer qu'il faut que l'État lui-même aille pour pouvoir donc donner l'exemple. Sinon, le secteur privé est fortement engagé. Et les exemples que je vous ai donnés, ce sont des exemples aujourd'hui où on peut évaluer donc à plus d'une centaine de milliards donc, en termes donc, d'investissement. Et je vous dis que si nous continuons comme ça, là, votre question que vous avez posée, à savoir donc le pourcentage donc de des industries manufacturières dans la formulation du PIB, nous allons atteindre donc d'ici 2023 ce taux donc de transformation de 25% donc, des matières primaires locales. Et ce jour-là, nous pourrons affirmer devant vous ici que nous sommes un pays industrialisé. Monsieur le ministre, sur cette question, il y a quelques participants ici dans le public qui souhaitent vous poser des questions sur le secteur de l'industrie. À commencer par M. Denis Sommet. Monsieur le ministre, ma question, c'est en rapport avec l'aménagement du territoire. Dans les outils d'aménagement et de planification du territoire, il est prévu des zones industrielles. Par exemple, dans le SDO, dans le chemin directeur d'aménagement urbain. Alors, on constate souvent qu'il y a des industries qui ne respectent pas ces zonages. Une autre chose est que dans le PNDS, certaines orientations monopolisent aussi l'harmonisation du territoire. Alors, quelles sont les actions du gouvernement pour le respect, bien sûr, des industries dans leur implantation? Merci. La réforme, effectivement, donc, en matière donc, d'exploitation de nos terres au Burkina Faso, il y a des insuffisances, ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens ont occupé les zones. Souvent, ils n'ont pas fait le projet, ils ont plutôt fait donc, des entrepôts, ils ont fait autre chose. Et vous n'avez pas les usines, mais vous ne pouvez pas tout de suite faire autre chose. C'est pour cela que nous avons lancé une opération de recensement. Vous avez bel et bien vu, on a communiqué. Et en mi-mars, on a fait le rapport sur le point donc, de l'occupation donc, de nos zones industrielles, l'état des documents que les gens y détiennent. Et nous avons mis un comité en place qui est en train de travailler pour discuter avec les différents acteurs qui ont déjà les terrains dans ces zones-là. Et s'ils ne peuvent pas mener donc, les unités, leurs projets, et que nous puissions en tout cas donc, réattribuer ces zones-là à d'autres personnes. Là où les gens ont fait des titres fonciers, nous allons engager les procédures nécessaires pour que l'État puisse rentrer donc, dans ses droits. La deuxième chose, il faut dire que il y a un certain nombre d'unités industrielles. Quand vous ne le faites pas dans une zone industrielle, vous ne pouvez pas avoir l'autorisation. Prenons le secteur donc, de l'huilerie, il y a un cahier de charges. Vous êtes obligé d'être dans une zone industrielle. Quand vous n'êtes pas dans une zone, vous ne pouvez pas commencer à produire.
Mais il y a d'autres types d'unités industrielles où les gens ont obtenu le terrain avec les mains, avec le propriétaire de terrain. Ils ont commencé des formes d'installation. À Bobo-Dioulasso, nous avons constaté énormément de cas comme ça. Du coup, nous travaillons même là où il y a une grande concentration d'unités industrielles à expliquer au ministère donc de l'urbanisme pourquoi nous sommes obligés finalement de les reconnaître comme des zones industrielles donc de fait dans le cadre donc des nouveaux aménagements, de nouveaux redécoupages. Mais si nous sommes engagés pour faire donc des zones industrielles dans les 13 régions, parce que les schémas donc d'aménagement du territoire les ont prévus, c'est justement pour sécuriser. C'est pour cela que j'ai dit qu'on a eu un financement pour faire une délimitation, pour les sécuriser, pour savoir exactement ce qu'on fait. J'ai pris l'exemple de Samandini, il y a 100 hectares. Si on ne les sécurise pas, si on ne les organise pas, et les gens finissent par s'installer dans ces zones d'une manière ou d'une autre, vous avez encore donc ce travail donc de... je vais dire, de mobilisation donc du foncier, de tout ce que vous avez comme dédommagement pour y aller. Donc, on doit désormais y aller. Mais une explication, notre pays s'est désindustrialisé à partir d'un moment donné. Donc, la question de l'industrie n'était pas au cœur, c'était plutôt la question de la promotion des importations, j'allais dire, en griffe sauvage. Donc, personne ne s'occupait donc de ces questions-là. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de transformation sur l'économie basée sur les filières porteuses. Qui dit filière dit production, transformation et commercialisation. Où est-ce qu'on va transformer? Donc, du fait, la réalité nous rattrape et on a oublié donc de remédier à cela si tant on veut donner des terrains à ceux qui veulent transformer. On prend ensuite une deuxième question. Monsieur Ousmane Bayon, qui souhaite également vous poser une question, toujours dans ce domaine de l'industrie. Monsieur le ministre, la capitale économique du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso, aujourd'hui est un cimetière d'usines. Avez-vous un plan d'action à ressusciter ces usines pour que Bobo-Dioulasso soit réellement la capitale économique du Burkina Faso? Je voudrais d'abord dire que Bobo-Dioulasso n'est pas un cimetière d'usines. Le nombre d'unités industrielles qui existaient à Bobo-Dioulasso et aujourd'hui, depuis que des années que les gens en parlent, la tendance s'est inversée. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que vous avez des symboles, des unités connues qui ont fait l'actualité, et c'est sur celles-là qu'aujourd'hui, tout le débat est autour. Nous avons fait un point de nombre d'unités industrielles créées depuis effectivement ces dernières années. Cette assertion n'est plus vraie. Maintenant, je suis d'accord que celles emblématiques connaissent des problèmes. C'est pour cela, quand vous regardez dans la question... Il y a SAP Olympique, on a Winner Industries, on a un certain nombre d'industries. Dans la matrice donc, des investissements, et on a ce qu'on appelle aujourd'hui le bureau de restructuration de mise à niveau, tout ce qui est programme de restructuration à travers le prêt, en fait. Et nous avons trois exemples. Vous avez SN Sosuco qui était une entreprise en difficulté. Je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. Depuis trois ans, nous avons apporté une réponse durable à cela qui est la question de l'écoulement. Je pense qu'il n'y a plus de problème de mévente à la SN Sosuco. Chaque année, avec le protocole d'accord qui est fait, nous arrivons donc à trouver des solutions. Idem pour la SN Citec. Pour la SAP Olympique, nous avons réussi à organiser donc les importateurs donc de pneus, en particulier ceux de Théâtre Populaire. Les achats se font aujourd'hui. L'année passée, nous avons fait une opération de déstockage. Et le 14 à côté, nous allons faire une deuxième opération de déstockage donc des pneus de la SAP Olympique. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne Winner. Winner est une unité qui produisait donc des piles sèches. Le marché est une réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché de piles sèches. On parlait de compétitivité, je parlais donc de produits. Donc Winner est obligé donc de se réadapter pour proposer des solutions nouvelles. Je peux vous rassurer que s'il n'y a pas de projet viable, adapté donc aux besoins des consommateurs, nous ne pouvons pas utiliser les ressources publiques effectivement pour accompagner ce type d'entreprise. C'est aussi clair que ça. Donc, avec 1 milliard, nous sommes capables d'accompagner des centaines donc de PME qui vont créer certainement donc des emplois. Voici ce qui explique la situation donc de fin de vie de Winner qui a été, connu une liquidation. Et aujourd'hui, il y a un syndic liquidateur qui a été mis pour certainement nous reproposer une autre solution, un autre modèle économique à Winner pour qu'elle puisse ressurgir. Mais dans son modèle ancien de production de pulls sèches, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de marché. Et il n'y a pas de, quand il n'y a pas de marché pour un produit, il n'y a pas d'usine. C'est aussi simple, aussi clair que cela. Maintenant, est-ce qu'il y a des nouvelles unités industrielles? Vous voulez que je fasse un égrenage autour donc, des nouvelles unités industrielles? Je suis allé voir Sokoda. Une nouvelle unité, effectivement, donc, dans le domaine donc, de l'anacard. Il y en a peut-être deux ou trois à Bobo-Dioulasso. Je vous ai cité les unités dans le domaine donc, des jus, de la transformation donc, des différents jus à Bobo-Dioulasso. Je pourrais vous citer, effectivement, des unités dans le domaine des huileries. Je pourrais vous citer donc, des unités dans bien d'autres domaines, au niveau de l'engrais,
une unité donc de formulation d'engrais qui est en train de se faire à Bobo-Dioulasso, on peut vous citer énormément donc, de PMI. Ce qu'il faut faire, okay. Ce n'est pas seulement de les citer, c'est de faire en sorte que ces petites unités qui sont en train de naître ne connaissent pas les mêmes sorts que vous avez souligné. Monsieur le ministre, trois secteurs prioritaires identifiés, le coton, la filière bétail viande, les carrières et matériaux de construction. On va s'attarder un instant sur ces trois filières-là pour également faire le point. Le coton, l'ambition, je l'avais dit, c'était 10 à 15% de transformation à l'horizon 2020. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, le PIA, le plan d'industrialisation accélérée, a choisi donc de travailler sur ces trois filières. Filière bétail, viande, carré, matériaux et coton. Alors, sur la filière bétail et viande, aujourd'hui, avec le ministère de l'élevage, un abattoir donc, a été fait à Kaya. Il y a deux ou trois autres projets qui sont en cours dans le domaine. Nous avons travaillé à la restructuration de l'abattoir de Ouagadougou et il a fallu qu'il y ait une nouvelle étude totalement. Un nouveau modèle a été proposé. Donc le besoin donc, pour redémarrer l'unité est autour donc, de 4 milliards. Et ça fait partie de la vingtaine de projets, je citais donc en début d'émission, qui vont certainement donc, être accompagnés par l'État pour que nous repartions. Mais il a fallu retrouver un modèle économique pour cet abattoir et trois autres abattoirs évidemment autour de Ouagadougou pour apporter une réponse définitive. L'idée, ce ne sont pas uniquement donc des aires d'abattage où vous avez les chevillards, des gens qui viennent abattre leurs bœufs, mais qu'on arrive clairement à produire de la viande avec des champs portes pour faire de l'exportation, pour ne pas envoyer notre bétail évidemment sur pied à l'extérieur. Ça, c'est ce qui est filière bétail et viande. Mais pas que. Quand on parle de filière bétail et viande, il y a la question de peau et cuir, tout ce qui est derrière. Nous avons accompagné une unité qui s'est installée à Sourgubila, qui fait donc travaille dans les questions donc, de peau et cuir. Et aujourd'hui, nous essayons donc au niveau donc des autres produits dérivés, notamment donc tout ce qui est lait et produits aliments, donc de travailler effectivement donc là-dessus avec des unités industrielles. Sur les matériaux et carrières, mais le nouveau aujourd'hui, le nombre d'unités industrielles, il y a même une nouvelle unité industrielle qui est dans les pipelines qui a bénéficié donc de cours des investissements pour faire de la cimenterie. Mais nous encourageons les uns et les autres à travailler dans les questions de briquerie, de pavage. Mais d'utiliser la matière première locale comme la dolomite qui est utilisée dans la région de Bobo qui rentre donc dans la formulation du ciment. Dans les nouveaux projets sur lesquels nous avons finalisé, nous allons travailler sur une unité donc, de fabrication de chaux au Burkina Faso. Et vous savez très bien que tout ce qui est phosphate aujourd'hui, on avance sur des projets donc, dans les différents zones. Donc dans les carrés et matériaux, voilà ce qui est fait. Le problème dans ce domaine, je ne vous coupe pas, monsieur le ministre, mais il y a des avancées, on voit des usines qui naissent, mais les consommateurs continuent de se plaindre de la cherté des prix. Le ciment, par exemple, au Burkina, comparativement aux autres pays de la sous-région, est toujours considéré comme étant quand même le plus cher. Comment on peut expliquer cela? Alors, pour compléter, il y a plusieurs cimenteries qui ont été ouvertes depuis, mais le prix de la tonne reste toujours la même. Alors qu'avant, on avait juste une seule unité. Je suis totalement d'accord sur le volet prix. Ce que je veux vous dire, pour terminer sur la filière coton, et ce travail aussi a été fait à ce niveau. C'est pour ça que je vous ai donné les exemples d'unités qui sont nées. Mais bien entendu, il y avait la transformation artisanale. Et nous avons fait en sorte que les artisans puissent bénéficier des moyens nécessaires pour continuer de produire du fil. L'initiative 5000 métiers à tisser a été lancée. Nous sommes à environ 3000 métiers à tisser aujourd'hui fabriqués. Je pense que d'ici le 30, nous allons livrer encore des métiers à tisser. Et nous avons accompagné l'ensemble des acteurs sur le faso d'Afani jusqu'à la labellisation, qui est un exemple qu'on peut bien voir de manière visible. Mais sur le produit, quelle était la vocation première, l'objectif premier de la création des unités industrielles? Ce n'est pas uniquement sur la réduction donc, du prix du ciment. C'était d'abord de créer des unités industrielles qui créent des emplois. C'était ça la première. Les emplois ont été créés, qui rapportent effectivement donc, je vais dire des ressources aussi, c'est-à-dire en payant des impôts, en payant donc des taxes effectivement donc, par rapport donc au budget de l'État. Et qui dit budget de l'État, cela nous permet donc de l'utiliser par rapport à d'autres choses. Donc il y a un effet d'entraînement. Maintenant sur le prix du ciment, je suis d'accord avec vous que on n'y est pas encore donc en termes donc de réduction du prix du piment, mais du ciment. Nous avons discuté avec les acteurs donc du secteur qui nous ont expliqué que du fait que la matière première continue de venir donc à des milliers de kilomètres ici, c'est là donc quand vous regardez donc quand vous faites donc la structure donc des prix, vous regardez là où il y a beaucoup plus en tout cas donc de choses. Il y a aussi l'énergie qui était aussi une grande préoccupation qui rentre donc dans les prix. Donc quand on prend tous ces facteurs là, il était devenu difficile effectivement donc de réduire substantiellement. Mais nous avons décidé donc d'avoir un accord pour dire que les différents accompagnements que nous sommes en train de faire avec
le côté avantageux donc, du coût des investissements devrait induire donc, une réduction à ce niveau-là. Mais je pense que nous devrons pouvoir donc, réduire substantiellement. Mais je vais dire que ce n'est pas seulement sur le seul facteur. Lorsque nous allons davantage jouer sur le facteur énergie, davantage jouer donc, sur d'autres facteurs, nous pourrons en tout cas voir considérablement réguler. Mais déjà, il faut saluer le fait que la création de ces unités industrielles crée des emplois directs et indirects. Quand je dis indirects, lorsque vous avez tout la logistique qui se développe autour, les transports, les services, la restauration, les maisons qui se louent dans les villes, effectivement, tout ceci participe à l'économie. Ce n'est pas uniquement donc, dans la réduction du coût du ciment qu'il faut regarder quand une unité industrielle se crée. On va s'attarder sur le coton. Nous sommes à Koudrou, Cyril. On va s'attarder sur le coton. Nous sommes à Koudrou. Et la question qu'on se pose, où en est-on avec le dossier Fassofani? Ouvrira, ouvrira-t-il pas? Ou bien il faut le dossier à renvoyer au calende grec? Le gouvernement a choisi de montrer déjà la voie, en disant que la question de la transformation du coton est essentielle. Et le fait d'avoir une unité industrielle à Koudougou pour y participer est capital. C'est pour cela que nous sommes engagés avec l'Union nationale des producteurs de coton, avec la Sofitex. Et en un an et demi, nous avons bâti une unité industrielle à Koudougou, à savoir Seco Bio, l'unité de grâce de coton bio. L'État l'a fait lui-même. Maintenant, l'État a encouragé le privé à investir. Fassofani, on dirait ex-Fassofani, parce que depuis longtemps, ça s'appelle Fassotex, c'est-à-dire que ça a été privatisé. C'est un privé qui a repris le dossier. L'État a décidé d'accompagner ce privé comme on fait par rapport aux autres. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès le départ, nous avons signé un protocole d'accord avec ce privé et avec les banques, Ecobank et BCB, où il y avait une dette autour donc, de 3 et quelques milliards et qui empêchait donc, le projet d'avancer. Nous avons discuté avec la banque et nous avons réussi à faire un rabattement de 35% donc, de leur crédit. La banque a accepté. Ensuite, l'État devait autour donc, de 800 millions. En fin décembre 2018, nous avons payé entièrement les 800 millions. Donc, ce qui revenait, la part de l'État, ce que l'État doit faire. Et nous les avons dit, le code des investissements à votre disposition. Donc, l'État a fait sa part de travail. Rabattement, donc du crédit en négociant avec les banques. Paiement, donc, des 800 millions. Accompagnement pour régler les questions donc, de terrain ici. Et mise à disposition du code des investissements quand ils sont prêts. L'investisseur privé nous a présenté un projet. Ils ont dit, ils ont bouclé le financement avec une entreprise indienne. Ils nous ont présenté Fassofani. Ils ont créé l'entreprise hein, Fassofani GMB. Ils sont venus et ils ont même, lorsqu'il y avait le Sicot ici, ils ont fait une annonce pour dire que dans les 3 mois qui suivent, ils vont démarrer donc l'ensemble des travaux. Nous avons dit, nous sommes disponibles parce que nous avons joué notre partition. Mais les 3 mois qui ont suivi, vous avez vu la Covid et nous sommes en contact. Ils nous ont dit, dès qu'il y a les ouvertures, l'ouverture donc des frontières, ils vont venir ici pour pouvoir donc démarrer les travaux. Mais je peux vous rassurer, chat échaudé étant peur donc de... Et un peu d'eau chaude. D'eau froide. Eh bien, nous avons travaillé sur un plan B. Donc, nous les attendons. Je vous dis que si au cours du mois donc, de septembre, ils arrivent et qu'on devrait se retrouver dans un autre schéma, l'État a prévu un plan B pour partir effectivement sur le projet. Pour le moment, c'est un projet privé. Donc, c'est d'un privé à un privé. Mais si le privé qui a obtenu donc, cette unité donc, de l'État privatisation n'arrive pas à mettre en œuvre effectivement donc, le projet, l'État va s'assumer à ce niveau-là. C'est pour cela que quand j'étais venu ici, j'ai dit, il n'y a pas de date, c'est un projet privé. La seule date que je vais vous donner, c'est Seco Bio, c'est l'État qui est en train de le faire. En un an et demi, on viendra inaugurer et ça a été fait. Sur Fassofani, je veux rassurer l'engagement du président sera tenu parce que le président ici a dit que, bien sûr, cette usine va renaître. Le président a dit à Koudougou ici, lors du Sicot, que l'investisseur privé s'est engagé dans les 3 mois à ouvrir et l'État a joué sa partition et l'État après l'accompagner. Je me rappelle des propos du président. Et je suis le dossier et j'ai toujours dit à la population donc, de Koudougou, c'est un investisseur privé que nous accompagnons, ce n'est pas un projet public, mais si le privé ne joue pas sa partition, l'État va s'assumer. Parce que Fanny, d'abord on a un espace, on a un terrain, on a un marché. Et je dis, au mois de septembre, si l'investisseur effectivement ne s'assume pas, le plan B sera mis en œuvre. Oui, mais monsieur le ministre, est-ce que vous avez évoqué tantôt l'ouverture de l'usine d'égrenage? Est-ce que ce n'est pas en fait un lot de consolation? On vient vous donner ça pour que vous vous calmez un peu par rapport au dossier Fassofani. D'abord, ce n'est pas un don qui a été fait. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce n'est pas le même registre. Nous sommes aujourd'hui dans une situation donc, de grainage et bien entendu d'encourager la production. Et de l'autre côté, nous sommes donc dans le deuxième magnon qui est qu'il y a une unité qui existe, qui peut donc travailler sur les questions donc, de tissage, de teinture et de sortie effectivement donc, des choses terminées, qui était un projet. L'autre côté, c'est un projet où l'État était engagé en tant qu'acteur à travers la Sofitex, et de l'autre côté, c'est une boîte privée que nous accompagnons. Mais je vais vous dire une chose, lorsque vous faites la promotion des investissements,
vous mettez les outils en place, vous faites la promotion des investissements et la protection des investisseurs. Lorsqu'un investisseur a son projet que vous l'accompagnez, vous ne pouvez pas vous substituer à son projet. Si c'était une boîte publique, aujourd'hui vous avez vu Minofa à Banfora. Minofa est une boîte publique. Lorsque Minofa, s'est retrouvé effectivement donc dans une situation, c'était l'ancien directeur général de la promotion de l'entreprise que j'ai nommé à la tête donc de la Minofa. Nous avons trouvé donc des moyens pour que la chaîne de transformation donc du blé puisse effectivement donc fonctionner en attendant que nous mobilisions autour donc de 700 millions pour faire fonctionner la maïserie. Nous gérons, ce n'est pas fermé. Donc, vous vous dites que c'est une boîte publique et nous continuons effectivement à faire en sorte que ça ne soit pas fermé. L'autre, c'est une boîte privée, mais je vous ai dit, l'État, connaissant très bien la place stratégique de Faso Fani dans la zone, si à partir du mois de septembre, effectivement, nous n'avons pas de réponse claire par rapport au privé, mais nous allons accrocher un plan. Responsabilités. Monsieur le ministre, d'autres engagements, unité de transformation d'Anakar, d'Abobo, de Tomate à Lumbila, tout ça également, c'était des engagements. Est-ce qu'on peut faire le point aujourd'hui sur tout cela? Je pense qu'il y avait même des usines de pré-traitement, je crois, à Gourcy et à Waïbia, qui étaient prévues. Là encore, c'est ce que j'appelle effectivement donc, un changement stratégique du projet. Le projet de STFL à Lumbila, c'est-à-dire que l'objectif était noble, transformer de la tomate à Lumbila, transformer 250 000 tonnes de mangue à Lumbila. L'objectif était noble, mais ce n'était pas un projet industriel. Pour moi, c'était une caverne à Alibaba où des gens se sont organisés pour se faire du fric. Parce que vous aviez un projet dont l'objectif était donc de transformer 250 000 tonnes de mangue, 8 milliards le projet. À l'arrivée, vous n'avez pas l'usine. Vous n'avez pas non plus un terrain vide, mais on a dépensé 17 milliards. Et il n'y a rien. Donc, lorsqu'il y a eu le PNDS, on a décidé de travailler le projet, on ne pouvait pas se jeter à l'eau pour remettre des sous, au risque donc d'être traité aussi. Donc, des gens, parce qu'on a fait un engagement, on fait la même chose. Donc, il a fallu d'abord reprendre, refaire une étude évidemment pour regarder qu'est-ce qui fonctionne. Donc, nous avons plus ou moins abandonné la question de la mangue qui se trouve à 400 km, aller chercher des mangues évidemment pour venir broyer donc du côté des SFL. Ce n'est pas compétitif par rapport donc aux produits qui se posent donc sur le marché. Par contre, sur la chaîne donc de la tomate, nous avons pensé qu'il y a quelque chose à faire. Et nous avons travaillé là-dessus, évalué donc les besoins. Et il y avait à peu près 4 milliards qu'il fallait trouver. Nous l'avons trouvé. Donc, en 2018, la BIDC, la Exim Bank, à travers la BIDC, a accepté donc le financement. Et nous avons eu ce financement. Et nous avons dit qu'il va falloir avoir 3 sites de pré-traitement. Un à Gourcy, un à Yako et un à Waïguia. Nous avons fait des démarches avec les maires qui, les conseils municipaux ont délibéré. Ils nous ont donné les terrains. On a fait l'étude de faisabilité donc, de ces 3 projets. On a choisi un prestataire. Là encore, j'ai dit, comme c'est un financement Exim Bank, ben, il devrait être effectivement une entreprise indienne. Elle est venue, nous avons discuté. Nous avons envoyé le dossier à la BIDC. Donc jusque-là, nous attendons les avis de non-objection. C'était donc avant la coronavirus. Les avis de non-objection pour démarrer les travaux. La BIDC nous a rassurés, effectivement, donc, ils sont en train de travailler. Dès que les frontières s'ouvrent, je pense que le monsieur il peut venir, effectivement, donc, pour pouvoir démarrer. Donc, l'idée, c'est de faire ce site à Gourcy, à Waïguia. Alors, ça va faire des sites de pré-traitement. Une partie va aller jusqu'en produit fini avec des tomates en stick. Et l'autre partie donc, va apporter donc, des broyats avec des camions frigorifiques pour alimenter Lumbila, en plus donc, de la variété donc, de 4 types de tomates qui vont être produits dans la zone. C'est comme ça que nous allons pouvoir donc, réveiller l'unité donc, STFL. Mais je vais dire qu'à ce niveau aussi, quand un projet est mal engagé au départ, il ne faut pas, je vais dire, au nom donc, de satisfaire effectivement donc, certainement donc, l'opinion, foncer droit dans la même manière de faire. Il a fallu donc refaire effectivement un inventaire, un audit, savoir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire et bien entendu suivre le dossier judiciaire parce que ceux qui ont pillé doivent définitivement donc répondre parce qu'on ne peut pas se volatiliser comme ça avec les deniers publics. Mais donc nous allons aller rapidement, Cyril, parce qu'on est un peu pris par le temps. On va aborder une question, une autre question importante, notamment la lutte contre la fraude, la contrefaçon et la concurrence déloyale. Ça également, je pense que c'est quelque chose qui était dénoncé depuis longue date. Je me souviens encore récemment, le directeur général de la SNCICO plutôt a évoqué toujours cette question qui plombe bien sûr les entreprises, même les PME dont vous parlez. Tant que cette fraude-là, on ne trouvera pas une solution, ça va toujours poser un problème. Concrètement, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour contrecarrer cela? La démarche reste la même, la réforme. Nous avons réorganisé. Pour créer une direction régionale donc, du contrôle réglementaire et des prix. Et nous avons créé la brigade mobile donc, de contrôle économique et la répression de la fraude. Parce que nous pensons qu'il fallait qu'on ait un instrument. Et en plus de cet instrument, on s'est dit qu'il fallait réguler les produits qui sont issus donc, de l'importation. Donc on a pris un décret et on a fait une liste de produits soumis désormais
à autorisation spéciale d'importer. C'est sur cette base maintenant que le ministère donc, peut maintenant réguler les importations. Donc, combiné donc à la réorganisation avec la brigade mobile pour être sur le terrain, la réforme par décret et nos actions sur le terrain, nous avons organisé donc les commerçants qui sont dans ces différents secteurs-là. On peut illustrer avec les trois exemples que j'avais donnés tantôt. Avec la SNCTEC, les accords ont été signés. Et aujourd'hui, je vous dis que si vous appelez à SNCTEC, le stock 2018 vidé, le stock 2019 vidé, le stock 2020, à la limite, peut-être que de temps en temps, ils n'arrivent pas à livrer à temps. Il n'y a aucun problème là-bas. La SNCTECO, c'était 30 000 tonnes de production nationale. La consommation nationale autour donc de 120 000 tonnes. Donc, il y a un gap de 90 000 tonnes à importer. On a fait le même principe avec des protocoles d'accord. 2018, stock vidé. 2019, le stock a été vidé. 2020, à la moitié de l'année, c'est-à-dire courant mois de juin, juillet, quand on a fait le point, sur 30 000 tonnes, nous étions déjà autour donc, de 27, 28 000 tonnes, effectivement, donc, qui étaient totalement donc, achetées. Donc, on termine l'année aussi, 2020, avec le stock parti. Donc, la réforme, le fait que nous sommes sur le terrain pour réprimer, nous a organisé. Et la loi 016 qui organise le commerce, et nous avons adopté l'ensemble des décrets d'application qui font qu'aujourd'hui, même, on va jusqu'à la déclaration d'entrepôt. Et la brigade mobile, aujourd'hui, on se promène, on considère des entrepôts qui n'ont pas été déclarés comme des entrepôts clandestins. Donc, nous saisissons les huiles, les sucres et tout le reste. Vous ne pouvez plus contourner Ouagadougou, vous arranger par des voies détournées pour venir stocker et vous êtes sauvé. C'est terminé. Okay. Désormais, on va juste dans les entrepôts pour aller fouiller, pour ramasser ce qui vient de la fraude. Donc, la lutte contre la fraude, elle se fait. Et c'est d'ailleurs ce qui a encouragé les uns et les autres à revenir investir parce qu'ils sont sûrs que nous allons faire des régulations pour leur permettre donc d'avancer. Et c'est l'occasion de dire aux uns et aux autres que les régulations que nous faisons sont conformes aux règles internationales sur la question c'est pas de du protectionnisme. L'accompagnement des unités naissantes sont garanties effectivement donc dans les règles, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit dans la zone de libre-échange continentale. Nous avons le droit donc de prendre donc des mesures pour accompagner les unités naissantes. Monsieur le ministre, on va rester toujours dans le domaine de la contrefaçon. Et on se rappelle de la saisie des pains contrefaits, Faso Dafani contrefait, et la polémique qui est née suite à la décision de votre département d'incinérer les pains. Ça a enflammé les réseaux sociaux. D'autres ont dit pourquoi ne pas donner ça aux déplacés, aux personnes vulnérables. Quel commentaire vous faites par rapport à ce... Parce qu'on a l'occasion de vous avoir pour avoir votre point de vue par rapport à ça. Mais j'ai été très sensible en tout cas à la préoccupation de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas incinérer. Les produits contrefaits. Quand vous prenez les produits de la fraude par exemple, c'est-à-dire que vous avez dribblé la douane, on vous a pris. Si les produits sont de qualité, on va vous faire certainement donc repayer comme il se doit et puis vous amender pour remettre les produits sur le marché. Quand on saisit la contrefaçon, ça veut dire qu'on interdit déjà la remise sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait des produits contrefaits? Ce n'est pas des produits de qualité. Donc, vous ne pouvez pas les offrir. Si c'est l'alimentaire, de toute façon, ça ne se discute pas parce que dans tous les cas de figure, vous allez, si vous les mangez, vous allez mourir. Donc, pour parler un peu directement. Mais ça parce que ce sont des habits, les gens se posent des questions, on aurait pu les offrir. Mais de quel habit s'agit-il? Un, on ne peut pas les offrir. Ça, c'est un, la réglementation. Deux, à supposer même qu'on pouvait les offrir, de quel habit s'agit-il? Nous avons labellisé le Faso Dafani comme marque collective, le nom Faso Dafani. Mais pas que. Nous avons mobilisé les femmes des 13 régions du Burkina Faso pour qu'elles envoient les motifs des Faso Dafani de chaque région. Vous savez, en fonction des régions, on a différents motifs. Et nous avons fait un catalogue de 400 motifs. 400 motifs que nous avons protégés à l'OAPI avec extension à l'OMPI. Pour leur dire, les motifs du Faso Dafani qui sont contrefaits, désormais seront protégés et combattus. C'est comme ça qu'on a fait l'opération, à deux pieds. C'est une opération pas unijambiste, à deux pieds. Mais à l'arrivée, vous avez des gens qui utilisent des motifs, des œuvres de l'esprit, des dessins graphiques qui ont été fabriqués par les gens. Ils vont dans des pays asiatiques, principalement, ils vont copier sur du faux tissu et reviennent ici pour venir concurrencer effectivement donc, ce travail qui est fait. Et quand on les saisit, on nous dit, allez-y faire la publicité de ces faux pagnes. Allez, auprès donc de personnes nécessiteuses. Faites la publicité. La bonne dame que vous lui donnez, vous lui expliquez que quoi? En fait, attention, ce n'est pas du frère Faso Dafani, c'est du faux, mais on vous donne effectivement comme vous êtes dans le besoin. Ou bien vous vous contentez de lui donner. Si vous contentez de lui donner, mais la personne porte comme du Faso Dafani. Et vous détruisez effectivement le travail qui est fait sur la question de contrefaçon, sur le façon de là. Donc vous ne pouvez pas être, l'artisan même du travail
de saper votre propre travail. Donc, un, sur le plan réglementaire, c'est impossible. Et sur le plan logique même de notre combat pour le Faso d'Afani, c'est impossible. Non. Monsieur le ministre, on va permettre encore à des gens dans le public de poser des questions. Monsieur Kwanda Mamadi, qui a une question pour vous. Monsieur Kwanda. Bon, premièrement, c'est une suggestion. Ensuite, viendra une question. Voilà, on a remarqué qu'au niveau des formations concernant le commerce, c'est plus côté du secteur informel. Pourtant, on sait que le pourcentage de ceux-là qui arrivent à partir à l'école et arrivent à faire des études supérieures sont tellement peu élevés. Donc, la suggestion, c'était de voir, est-ce que au niveau où nous en sommes présentement, parce qu'on a vu qu'il y a... Bon, à chaque fois, si les gens n'arrivent pas à faire les études supérieures, ils reviennent au niveau du commerce. Est-ce qu'il n'est pas judicieux en ce moment de songer à créer une école de commerce pour pouvoir cadrer ces gens-là qui désirent de s'intéresser au domaine-là? Voilà, donc, deuxièmement... Rapidement, M. Kwanda. D'accord. La question était de savoir si, au niveau de votre département, il existe réellement des fonds pour soutenir ceux-là qui ont des projets de commerce. Merci. Alors, je voudrais d'abord dire que quand vous parlez donc de formation orientée à des acteurs que vous pensez certainement, bon, on va dire peu instruits, en fait, ça dépend des modules. On les forme sur quoi? Sur la question donc pour mieux gérer son entreprise, mais vous pouvez former les gens en langue nationale, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, les gens peuvent être accompagnés pour pouvoir gérer leur entreprise, même si ces personnes-là ne sont pas instruites. C'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous parlez donc de formation donc, dans le domaine du commerce, je pense qu'il faut être très précis, parce qu'on parle plutôt d'entreprise. Parce que les gars qui sont dans le commerce-là, ce sont des entreprises. L'entreprise, elle est du secteur informel ou elle est formelle. Donc, on le forme donc, sur la question... Donc, de la gestion des entreprises. Maintenant, il y a pas mal de modules qui vont être utilisés. C'est sur le produit, c'est sur la gestion même technique ou financière de votre entreprise, c'est sur donc, le marché, c'est sur la visibilité des questions de marketing, c'est sur donc, la gestion donc, de la clientèle, c'est sur donc, les débouchés, c'est sur... Voilà. Ça va être des choses comme ça. Mais ça, il n'y a pas besoin de dire que c'est parce qu'il n'y a pas donc, d'école de commerce que les gens ne réussissent pas. Hein? Je pense aujourd'hui, quand vous faites une enquête dans le domaine du développement donc, des affaires, ce qui est posé pour les gens, c'est d'abord la question donc, des financements, la question donc, de l'accès au marché, la question donc, de renforcement donc, des capacités entrepreneuriales des gens, et c'est la question donc, de la compétitivité. Ce sont les questions comme ça qui sont posées là-dessus. Et je peux vous rassurer que ceux qui ont le plus reçu dans le commerce au Burkina Faso, ce n'est pas forcément des gens qui ont fait des bacs plus 20. C'est souvent des gens qui sont détenteurs donc de bac moins 20, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, ils sont, ce n'est pas de l'intuition, mais ils arrivent à s'organiser. Ça, c'est la première. Le deuxième niveau, un chef d'entreprise n'est pas obligé d'être expert dans les questions liées à son entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez avoir donc des capacités managériales et vous recrutez des gens qui sont spécialisés donc dans ces différentes questions et vous managez. Ceux qui sont dans les BTP, ce n'est pas forcément des ingénieurs donc, en construction donc, de bâtiments. Voilà. Donc, je ne veux pas qu'on soit limité, surtout qu'il y a des formations pures en entrepreneuriat pour pouvoir avancer. Et ça, nous en faisons régulièrement avec la FPPME, avec la maison d'entreprise, avec la chambre de commerce. Quasimo, Laetitia également, qui a une question. Moi, ma question est la suivante, monsieur le ministre. J'aimerais savoir qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement pour aider nos mères tisserandes après la pandémie de la COVID-19. Je voudrais dire que dans la transformation de nos matières premières locales, si vous faites les statistiques, 80% des acteurs, ce sont des femmes, ce sont nos mères qui se lèvent tôt. Et c'est dans toutes les filières, que ce soit l'ANACAD, que ce soit le Carité, que ce soit les Sésame, ce sont des femmes qui sont dans la transformation. Et le point que vous prenez, c'est celui donc du Faso d'Afani principalement, les tisseuses. Je vous ai dit que nous avons lancé une initiative 5000 métiers à tisser. Nous avons déjà livré une partie. Et fin août, nous allons livrer une deuxième partie. La Chambre des métiers est en train de fabriquer donc, ces métiers à tisser. Ça a un peu traîné à cause donc, de la COVID-19 parce qu'il y avait des matières premières qu'ils n'avaient pas. Mais ils nous ont rassuré qu'ils vont les livrer. Et le 30 déjà, nous allons encore, pour les 13 régions du Burkina Faso, offrir des métiers à tisser. Première des choses. Deuxième des choses, lorsqu'il y a eu la coronavirus, mon département a lancé ce qu'on appelle IRCP Pharma.
l'initiative donc de renforcement du capital productif dans le domaine du pharma. Donc tout ce qui intervient donc dans la lutte contre la COVID-19 ou bien entendu dans la question d'hygiène, nous avons décidé d'accompagner. C'est pour cela que nous avons signé un accord avec la CCTH, la Confédération Coton Textile Habillement, pour fabriquer des masques au Burkina Faso, des masques endogènes. Nous avons sorti une norme et nous allons faire en sorte que ce soit la CCTH qui signe les conventions. Elle a signé une convention avec le MENA pour fabriquer 12 millions de masques. Et dans la fabrication de ces 12 millions de masques, Filsa produit le fil. 10 000 tisseuses sont mobilisées à travers le Burkina Faso pour donc fabriquer les pagnes qui vont servir donc à la confection des masques. Et des couturiers sont engagés pour fabriquer ces masques. C'est 3 milliards qui est injecté donc dans cette filière-là pour pouvoir donc produire ces 12 millions de masques. Donc c'est la première action qu'on a faite. Renforcement des capacités, donc métier à tisser, marché pour les permettre donc de fabriquer. Et là, on a encore des millions de masques à fabriquer. Voilà la première action qu'on a faite. Mais pas que tout. Nous avons pensé que dans ce domaine-là, quand j'ai pris le domaine de qualité, pour donner un exemple, le cadre intégré est là. Nous avons offert 20 unités complètes de transformation donc, du beurre de qualité et c'est pratiquement les femmes à Bobo, le réseau donc, de producteurs donc, des femmes de beurre de qualité qui regroupe 14 000 femmes à bénéficier donc, d'une chaîne complète et nous sommes passés donc, de 300 tonnes produites à 600 tonnes. J'y étais il y a quelques jours. Je peux vous dire que l'ensemble de nos actions sont orientées pour que la question donc, des activités rémunératrices de la femme ne soit pas que des mots, mais une réalité tangible sur le terrain. Cyril veut rebondir sur cette question. Justement, par rapport au paille tissé, il y a le coût qui pose problème. Et peut-être ce coût aussi amène les gens à aller vers les pailles contrefaits. Quel mécanisme vous actionnez ou bien vous pouvez actionner pour que le coût là vraiment baisse de face? Parce que les Burkinabés actuellement portent alors de façon naturelle maintenant le paille tissé, mais il y a le coût qui pose problème, monsieur le ministre. La première des choses, je voulais rectifier quelque chose. Ce n'est pas le coût du faso d'Afani qui amène les gens à aller vers le faso d'Afani contrefait. Parce que les seules pagnes portées au Burkina Faso ne sont pas du faso d'Afani. C'est-à-dire que vous avez d'autres pagnes. Quand vous ne portez pas du faso d'Afani, vous en portez autre chose. Nous ne combattons pas cela. Ce que nous combattons, si vous voulez porter du faso d'Afani et que vous n'avez pas les moyens, nous allons travailler pour qu'il y ait des gens. Mais on ne peut pas permettre à des commerçants, parce qu'il ne faut pas parler des clients. Chaque client ne part pas en Asie pour aller acheter son pain contrefait. C'est des gens qui font du business, qui arnaquent, qui sont contre effectivement le processus de transformation structurelle basé sur les filières portées. Ça, c'est un autre combat qu'on est en train de mener. Donc, on peut porter d'autres pains au Burkina Faso. Mais quand vous décidez donc de rentrer dans le consommant local, qui est une politique du gouvernement qui encourage, qui utilise donc la commande publique pour le faire, et là, je vais vous dire une chose, en 3 ans, c'est près de 300, 400 milliards que l'État a mobilisé effectivement pour le consommant local. Eh bien, dans ce cas, vous vous retrouvez. Parce que c'est un engagement patriotique aussi donc, de consommer local. Et à ce niveau, nous faisons en sorte que la réduction d'abord des facteurs de production, parce qu'on parle du fil, je vous parle du jour quand on désagrège. On fait en sorte que le fil, avec Filsa, avec le coût des investissements, qu'on arrive à réduire le coût du fil. Les dames vous diront que c'est le coût du fil qui est en partie. La deuxième des choses, les gens étaient à 300 personnes sur 5 métiers à tisser. Je donne un exemple, l'association Terra Wende, que je suis allé visiter du côté donc, de Paglayiri, il y avait 300 femmes dans l'atelier et il y avait 6 métiers à tisser. Donc, quand vous avez 300 femmes au cours pendant des jours qui essaient donc, de travailler pour sortir de trucs, mais on calcule aussi pour tenir compte dans quelle mesure on peut aller. Les femmes déjà calculaient aussi quand elles achetaient le métier à tisser. Elles essaient de voir comment est-ce que je vais vendre pour pouvoir aller. Mais c'est tout ça qu'on est en train de faire. Renforcement donc au niveau productif. Ils ont les métiers à tisser. Elles ont du moins les métiers à tisser. Ça réduit les coûts. Deuxièmement, avec le coût des investissements, on va réduire le coût du fil. Et bien entendu, on va réduire donc la pénibilité du travail. Et comme les gens vont pouvoir produire à l'échelle, lentement et sûrement, on va réussir. Mais on est en train d'aller plus loin. On va aller dans d'autres types de métiers à tisser qui rendent moins pénibles, qui permettent donc d'aller plus rapidement, de réduire donc les coûts et le temps, et le prix va baisser. Mais là encore, je dis aux Burkinabés, c'est le marché qui tire la transformation, c'est le marché qui tire la production. Si tout le monde se met et qu'on se donne les moyens, on doit bientôt donc de réduire donc les coûts de production. Il nous reste une poignée de minutes, monsieur le ministre. On va prendre la question de Sawadogo Minata avant de revenir pour finir. Monsieur le ministre, nous constatons que la majorité des commerçants occupent les chaussées car les prix des boutiques sont chers. Cela occasionne des accidents. Que préconisez-vous pour réduire ce fléau? Merci.
Alors, je pense que quand vous allez dans les différentes villes où les commerçants occupent la chaussée, ce n'est pas uniquement la cherté donc, des boutiques, c'est peut-être aussi l'insuffisance donc, des boutiques pour que les gens se retrouvent dans les marchés de manière organisée. Je pense que la question donc, des constructions de différents marchés sont des choses qui sont réglementées dans nos pipelines. Je pense que l'année dernière et cette année, dans le cas donc, de transfert donc, de ressources aux collectivités locales, mon département donc, a transféré pas mal donc, de ressources pour la construction, donc développement donc, de marché. La dernière, je pense que c'est au niveau donc, de Dédougou, au niveau donc, de Dédougou, si ma mémoire est bonne, où nous sommes en train donc, de faire des transferts donc, de ressources pour permettre donc, de développer donc, l'ensemble des infrastructures-là. Donc la réponse, c'est qu'il y a suffisamment donc, d'infrastructures marchandes pour que les commerçants puissent se retrouver à l'intérieur. Je pense qu'ils n'en demandent pas mieux parce qu'il y a un risque effectivement donc, d'être aux abords donc, de la voie. Et voilà le travail qui est en train d'être fait, c'est d'offrir donc, des marchés adaptés pour permettre aux gens donc, d'occuper. Et l'autre phénomène, c'est qu'il faut dire qu'il y a un gros travail à faire déjà dans les marchés existants. Parce que si on vous dit le coût réel à Ouagadougou de ce que la mairie facture en termes donc, de coût de boutique et le coût final de celui qui occupe la boutique, ben, vous pouvez tomber effectivement à la renverse. Donc il y a un gros travail qui est en train de faire par la mairie, parce que des gens, en fait, surlouent les boutiques qui sont louées à que dalle. Et les gens surlouent donc à des centaines, donc de milliers. Il y a un gros travail qui est en train de faire donc, par les mairies pour attraper tout ça. Je veux vous dire que nous avons énormément donc, de tas, nous avons énormément donc, de situations qui sont engrangrenées et qu'il faut définitivement et sûrement transformer la société pour sortir donc, de là. Parce qu'on s'est assis sur des choses, si on ne lève pas ce goulot d'étanglement-là, ça va être très difficile effectivement donc, de faire davantage en termes donc, de développement. Monsieur le ministre, on va aborder deux derniers points pour finir. Le climat des affaires au Burkina, classement, voilà, doing business, le Burkina 151e, si je ne m'abuse, 190. On peut dire que c'est quand même une grosse contre-performance, un handicap aujourd'hui pour attirer des investisseurs. C'était également un des engagements, améliorer le climat des affaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et puis où est-ce qu'on va? Parce que tant qu'on n'améliore pas ce classement-là, il va être difficile également de mobiliser des investisseurs. D'accord. Effectivement, au niveau donc, du climat des affaires, vous avez à la fois la compétition doing business, mais vous avez aussi les autres licences d'affaires qui ne rentrent pas dans la compétition, sur lesquelles on a besoin donc, à la fois de réduire les normes, d'optimiser et de réduire les délais. Entre les années 2000 et 2010, tous les pays devraient faire donc, les réformes de première génération. Notre pays en a fait. On a fait les réformes de première génération qui étaient relativement simples à faire. Et comme on a été très rapide là-dessus, nous avons obtenu donc des bons classements. Nous étions donc au niveau de l'UEMOA, les 10 pays, en tout cas donc les plus grands réformateurs. Et puis après cela, on a dormi. On n'a pas fait les réformes de deuxième génération et de troisième génération, qui sont un peu beaucoup plus complexes, qui méritent en tout cas des décisions courageuses. Nous ne les avons pas faites. Des pays comme le Sénégal, le Togo, à partir donc de 2010-2012, ils ont fait ces réformes-là. Et 5-6 ans après, ces pays effectivement donc sont ont pris de l'avance. Le Burkina a dormi. Et on s'est retrouvé un matin, pendant que tout le monde a fait les réformes de deuxième génération, nous avons commencé à reculer. Quelles sont ces réformes-là, monsieur le ministre ? Alors, je vous prends un exemple. C'est par exemple la réforme liée au domaine donc, du crédit, l'information sur le crédit. C'est des réformes, quand vous regardez au niveau donc, de la création des entreprises, avant on était sur les questions donc, de délai, de coûts, et d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il faut faire en sorte effectivement donc, qu'on puisse à la fois jouer sur les coûts, mais aujourd'hui, supprimer certains types même d'outils à l'intérieur. Et souvent, c'est lié à des licences d'affaires où on facture. Il faut donc avoir le courage donc, de le faire. Je vais prendre l'exemple sur pour faire, par exemple, dans le bâtiment, les analyses. Nous avons des réformes aujourd'hui. Vous avez un seul laboratoire national donc, du BTP. Il faut un moment donné travailler effectivement donc, sur ces différents segments. Prenons une réforme. Avant, il faut travailler certainement donc sur la disponibilité de l'énergie. Mais aujourd'hui, on comptabilise le nombre, je vais dire donc, de coupures. Il y a énormément donc de réformes sur lesquelles il faut aller. Mais on n'avait pas fait ces différentes réformes. Mais est-ce qu'on y est aujourd'hui ? Est-ce qu'on en prend le chemin, monsieur le ministre ? Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous avons démarré donc ces réformes. Et c'est ce qui a amené le Burkina Faso à se stabiliser. Ces deux dernières années, eh bien, on n'a pas reculé. On s'est stabilisé. Nous avons commandité une étude donc, sur les réformes à faire et le plan stratégique pour aller aux deuxième, troisième génération supplémentaire. Les consultants ont présenté donc leur rapport. Cela est assorti d'un plan d'action et des financements qui ont été acquis. Et nous avons démarré donc à ce niveau. Donc avec le secrétariat permanent de licences d'affaires, nous avons travaillé pour optimiser donc les licences d'affaires et de réduire les délais.
Et nous sommes rentrés dans la digitalisation. Nous avons lancé en décembre dernier le portail d'entrée au Burkina Faso, où nous avons décidé donc, de digitaliser 43 licences d'affaires. Déjà, vous en avez 3 qui sont faites en ligne. Vous avez l'autorisation spéciale d'importer, on peut l'obtenir en ligne. Vous avez le certificat d'origine. Vous avez donc la carte professionnelle donc, pour exercer le métier de commerçant pour les étrangers. Nous sommes en train de travailler sur 43 licences d'affaires dans les différents départements pour qu'on puisse le faire en ligne et payer en ligne. Mieux, nous nous sommes engagés à ce que la création d'entreprise en 24 se fait désormais en ligne. Vous pouvez aujourd'hui créer une entreprise en ligne. Le lien, effectivement, peut être vérifié au niveau de notre site web. Vous créez en ligne et puis maintenant, on va aller jusqu'à la signature électronique. Et la réforme donc, du bureau d'information sur le crédit, ça a été fait. Il y a 2 ou 3 conseils de ministres. On a adopté un décret sur les grands facturiers pour effectivement donc, tenir compte donc, de cela. Donc, il y a énormément donc, de réformes qu'on a démarrées pour pouvoir faire. Et mieux, il y a la communication. Je vous explique. Lorsque vous réformez, vous êtes un pays, vous réformez. Vous êtes un pays, je réforme. Et puis, vous êtes un pays, on réforme. Tout le monde a fait les mêmes réformes. Maintenant, il faut communiquer. Parce que quand les gens ils viennent pour évaluer, ils demandent aux contributeurs, ce qu'on appelle les contributeurs doing business. Il y a une réforme dans votre pays. Comment vous la sentez? Les gens vous disent même qu'ils ne sont même pas au courant de la réforme. Mal noté. Donc, vous pouvez faire une réforme comme un pays, mais vous n'avez pas communiqué. Nous avons lancé un film documentaire qui va commencer à tourner sur l'ensemble des réformes qui ont été faites pour permettre, donc, puisque c'est de la perception, comment est-ce que vous sentez la réforme? Donc, vous n'êtes pas noté uniquement sur la réforme, mais la perception mais qu'on la a perception, de la réforme. Okay. Donc, on est en train donc, de travailler pour corriger cela, parce que les gens nous disent souvent que les réformes ne sont pas, faites. La facilité de faire des affaires. Voilà. Cyril? Ok, monsieur le ministre, on va aborder le dernier volet de notre entretien. Notamment, vous l'avez évoqué plusieurs fois, COVID-19, COVID-19. Alors, on va parler de l'impact de la COVID-19 dans le fonctionnement de votre département. Alors, cette pandémie, on le sait, a fortement impacté tous les secteurs d'activité. Au niveau de votre ministère, pouvez-vous nous citer quelques activités qui étaient au programme mais qui n'ont pas pu être menées? Et d'abord, tout ce qui est investissement direct étranger, tout ce qui est IDE, je vous ai cité quelques projets sur lesquels les gens sont engagés pour démarrer en mars et qui finalement ne sont pas venus. Ça, c'est les projets gouvernementaux. Même les projets du privé, quand nous sommes allés vérifier l'Africaine des boissons, ils avaient 46 conteneurs chargés. Vous avez donc des techniciens qui étaient bloqués, qui n'ont pas pu arriver pour monter les machines. Vous avez l'usine donc, de grainage donc, d'Anacade, de transformation d'Anacade. Ils étaient bloqués juste à côté en Côte d'Ivoire. Mais dès qu'on a ouvert les frontières, ils sont revenus. Donc le secteur privé a énormément souffert en matière donc, d'importation, en matière donc, de gestion de leurs fournisseurs, en matière donc, de continuer à renouveler leurs stocks. Ça a été très difficile. Nous avons dû batailler pour que notre pays puisse donc, ne pas manquer en produits. C'est vrai qu'il y avait la question donc, de prix, mais vous ne vous imaginez pas toute la gymnastique qu'on a faite pour que nous continuions donc d'être alimentés. Ça pose le problème, effectivement, donc, du fait que nous, il faut que nous travaillions à être moins dépendants des différents pays. Nous allons faire en sorte que tous ceux qui sont dans l'importation donc, de médicaments puissent en tout cas donc, envoyer ici. Ça a souvent grévé les coûts, parce que ce qui arrivait par bateau est arrivé certainement souvent par avion, donc ça a forcément impacté. Et qui dit secteur privé, dit souvent donc financement bancaire. Lorsqu'il y a de l'incertitude, lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, ben, le risque effectivement donc, lié donc, au crédit effectivement, nous pose problème. Parce que vous n'êtes pas très sûr de pouvoir écouler, d'avoir donc, la matière première. Je pense que ça a énormément impacté. Dans l'industrie manufacturière, les distanciations sociales, le fait que les gens ne pouvaient pas travailler, il y a eu un peu donc, de l'influence. Le fait que les gens ne pouvaient pas voyager pour aller dans les différentes villes pour aller travailler, il y a eu certainement donc, de l'influence. Et je vais vous dire, quand vous prenez dans les filières porteuses, comme la mangue, on était bloqué ici, on a dû faire cette opération donc, pour faire partir donc, les mangues par avion. Dans le domaine donc, de l'anacate, il y avait à peu près 22 milliards qu'il fallait mobiliser, on continue de les rechercher, pour que les gens puissent acheter l'anacate pour partir. Donc je peux vous citer énormément les métiers à tisser. Lorsqu'on a fait le point avec la chambre des métiers, mais ils nous ont dit qu'il y a les biens, il y a des petites choses sur lesquelles qui viennent du Nigeria d'une manière ou d'une autre. La matière première manquait donc aux soudeurs, même il y a des types de fer qui leur manquaient donc, pour pouvoir faire les métiers à tisser. Donc je vais dire que mon département, en réalité, en dehors donc, des réformes que nous mettons en place, l'accompagnement, le dispositif, nous sommes le ministère en charge du secteur privé. Donc ils sont les premiers impactés. Et vous regardez dans le domaine de l'hôtellerie, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Vous avez vu les transports ont été arrêtés, ils ont été fortement impactés. Donc je pense que les mesures qui ont été annoncées donc, pour relancer l'économie, la centaine de milliards, que ce soit pour les grosses entreprises, les petites entreprises et celles donc, qui sont dans la contribution forfaitaire donc, au niveau donc, du secteur informel. Et ça va permettre donc, de repartir. Okay. Monsieur le ministre, pour finir, ça va être la dernière question. Est-ce qu'au moment où, en tout cas, le mandat s'achève, est-ce que vous avez le sentiment d'un travail bien fait ou d'un travail inachevé? Dans l'engagement qui a été fait
par le premier responsable donc, de ce programme, notamment le président du FASO. C'est à la fois mettre en œuvre le PNDS, laisser la population apprécier, mais avant cela, faire un devoir de redevabilité. L'exercice que nous faisons aujourd'hui est un devoir de redevabilité. Nous, nous avons la conviction que nous avons mobilisé toute l'énergie de l'administration, nous avons mobilisé les Burkinabés, nous avons mobilisé le secteur privé, nous avons mobilisé donc les financements pour pouvoir donc mettre en œuvre donc ces différents projets. Il y en a où nous avons réussi à atteindre les cibles qui ont été fixées, il y en a d'autres qui n'ont pas été faites, mais ce qu'il faut noter, c'est surtout au niveau donc des réformes. Parce que lorsque vous tracez les sillons, lorsque vous créez les éléments, les effets vont être démultipliés. Les réformes ont été faites pour le cours des investissements. Vous avez une centaine d'entreprises qui ont bénéficié des agréments. Mais ils prennent 2 à 3 ans pour mettre l'unité industrielle. Mais désormais, c'est parti. Les machines qui ont été achetées seront forcément intéressées. Donc ça va être les effets qu'on aura dans 2, 3, 4, 5 ans qui vont nous permettre de faire. Nous avons le sentiment que là où il y avait une énergie à mobiliser, là où il y avait une volonté à avoir, nous les avons eues. Il appartient donc aux populations d'apprécier parce que nous travaillons à la fois maintenant, mais nous travaillons sur les perspective pour que le Burkina Faso, qui a pris ce nouveau chemin après l'insurrection, après la résistance, ne retourne plus jamais en arrière en termes de développement et en termes d'espérance. Monsieur le ministre, ça va être le mot de la fin. Cyril Zoma, il ne reste plus qu'à vous dire merci pour votre disponibilité. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et à très bientôt.